Quelle journée, faut pas, non? Bonsoir! Ah, oh, je vous ai fait peur là! Oh, vous sentez bon! C'est quoi votre parfum? J'en ai pas! Ah bon? Oh, c'est bizarre! Oh, vous l'avez pas! Ah, oh, ça doit être au phéromone alors! Mais sérieusement! C'est vrai? Quoi? Quand vous dites que vous êtes puceau. Ah, attendez, je ne suis pas puceau, je suis abstinent. C'est une comédie romantique. C'est l'histoire d'un auteur que Alexandre joue, qui est devenu célèbre grâce à ses théories sur l'abstinence. Et puis il déménage, il va dans un nouvel appartement et sa voisine qui est un peu faux-folle, qui est un peu tarée, que je joue, réveille sa libido et sa libido devient un personnage sur scène qui est incarné dans le corps d'une charmante jeune femme. Qui s'appelle Tadria Hawking. Et qui parle que avec des sous-entendus sexuels. Ah Toto, je suis sûre que ça te plairait, lui, tu sais, le berlingot. Sa libido, c'est sa partie animale qui ne lâche plus et qui veut le faire coucher avec la voisine. Assez discuté. Oui. Passons aux choses sérieuses. Oui, il me semble. Oui. J'appelle la voisine, va chercher les capotes. Éclair ! Et il va être confronté à ses pires démons, à savoir ses envies sexuelles. Détends-toi, Antoine, la voix va disparaître. Un homme et une femme, c'est la chose la plus belle qui existe. Je voulais vraiment redorer le blason de l'amour d'un homme et d'une femme. On n'est quand même pas des animaux.